Après un survol d'une principale attaque meurtrière liée au terrorisme, en ce qui a trait à la barque fonctionnant sur la rivière Semouliki, la nuit du jeudi dernier, où trois personnes avaient perdu le souffle de vie, une situation qui a été à la base de la perturbation du transport des marchandises et des personnes, le trafic a repris l'avant-midi du lundi 15 mai 2023 sur le tronçon Butembo-Kasindi via l'axe Karuruma en plein parc national de Virunga. Les gérants de la barque mobile sur la rivière Semouliki note une détermination de sa hiérarchie pour propulser l'économie régionale, malgré les poches résiduelles de l'insécurité. Les activités ont repris depuis 10 heures. En tout cas, nous les appelons de venir traverser, puisque les activités ont repris pour régler la chefferie de Bachou et le secteur Vendor. Au plan de sécurité, nous avons disposé quelques éléments ici. Pour bien sécuriser la population, même au niveau du parc, il y a des troupes là-bas qui contrôlent la sécurité. Cette prise de décision est salutaire pour les usagers de cet axe routier, d'où la nécessité aux autorités de l'état de siège de mieux accélérer le mécanisme de la pacification. Dans la foulée, un passager a exprimé ses impressions. Et vous savez, la chefferie de Bachou aussi aide plusieurs activités dans le secteur Wenzo, notamment le groupement Bassongora. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque déjà il y a trafic, pour moi c'est une grande joie, je suis ravi. Et c'est pourquoi maintenant, moi que fils de ces deux entités, vraiment, je suis content. Nous remercions vivement l'administration de ce bac, les autorités qui ont fait à ce que maintenant les activités puissent se reprendre. Et aussi également les agents qui se sont donnés coroïum depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, afin de mettre en œuvre cette activité a fait que maintenant qu'il y ait trafic. Pour le moment, les dispositifs sécuritaires sont illustrés par les soucis légitimes des forces de l'ordre et de défense à stopper l'aventure de l'ennemi de la paix durable, gage de développement intégral.